Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, le chef de l'État convoquera le Congrès tous les ans, comme il l'avait promis lors de sa campagne. L'idée, selon l'Élysée, c'est de faire une sorte de discours de l'Union comme aux États-Unis. L'inspiration américaine, là, est pleinement assumée. C'est très bien. Nous le vivons comme étant quelque chose d'assez, un moment unique. Pour beaucoup, réunir les députés et les sénateurs dès lundi, c'est un peu tôt. Peut-être faudrait-il mieux attendre l'automne pour que, une fois que le Premier ministre a fait son discours de politique générale. Car justement, et c'est ça qui coince beaucoup auprès de l'opposition, le Premier ministre Édouard Philippe fera le lendemain son discours de politique générale devant les députés. Il y aura l'un des deux qui risque d'être obsolète. Ce sera sans doute, évidemment, on l'a bien compris, celui du Premier ministre. Donc c'est inutile. On a très bien compris que M. Macron veut absolument prendre le pas sur son Premier ministre et veut lui voler la vedette. À tel point que certains ont décidé tout simplement de boycotter le rendez-vous fixé par Emmanuel Macron. Ce congrès-là ne sert à rien. Par ce geste, il ne laisse pas son gouvernement gouverner. Il l'affaiblit. Les sénateurs, les députés n'ont pas vocation à servir d'instrument de communication au président de la République. L'entourage du président condamne ce boycott, attitude jugée pas très respectueuse des Français.